Mesdames et messieurs, on se retrouve à un peu plus de la moitié du festival. Il reste un peu plus de 18 heures au compteur. Et donc, du coup, nous allons recueillir les témoignages des différents participants. Bonjour. Alors, vous revenez d'une journée de tournage. Comment s'est passée cette journée? C'était très intense, très rapide. Et du coup, qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Vous allez passer au montage? Non, il nous reste une scène à tourner ici, mais on va manger d'abord. Évidemment, manger, c'est le plus important. Et merci, nous allons interviewer quelqu'un d'autre. C'est super intéressant. Voilà, c'est demain. C'est voilà. Alors ouais, super. Alors c'est le festival du film d'un jour. Je sais pas si vous connaissez. C'est un festival fait de courts métrages fait par des étudiants venus de toute la France. On n'a pas dormi pendant 50 heures. Donc maintenant, tu vas prendre mon prospectus et tu vas venir demain soir 20h. Merde. Et donc maintenant, nous allons avoir les speakers qui animeront la cérémonie de clôture. Alors à moins de 20h du show, comment vous sentez-vous? Trop stressé. Je suis pas prête. En vrai, la pression monte, c'est dans 24 heures à peu près, on est à peu près prêt. On attend 400 personnes, entre 400 et 600 personnes, donc voilà, le truc ça va être de pas se laisser gagner par le stress et pas perdre nos moyens au moment de monter sur scène, mais sinon on est confiants, ça va être cool. Bah, j'ai juste à ajouter que Samy et moi on est très contents de faire ça, et puis de toute façon on va se préparer encore, hein, parce que là on n'est pas prêt, je suis désolée. Merci beaucoup, c'était TV Info pour la chaîne du FFNG. Ah, attention, nous avons un revenant. Mesdames et messieurs, un revenant, un VIP, une légende parmi nous, Léron. Un mot à dire? Vite. Merci beaucoup, c'était un mot de Léron. Maintenant, sur ce magnifique message, nous allons pouvoir rendre l'antenne. À vous les speakers.